Bonjour à tous. Alors, comme promis hier dans la vidéo du chargeur Apple 18 watts que j'ai fait hier soir, voici le déballage du iPhone 11 Pro Max vert de nuit ou de minuit. C'est comme vous voulez le prononcer, ça se dit des deux manières, de 256 gigas. Alors, on va ouvrir le carton, c'est jamais évident, hein. Il y a un système, mais il faut que j'arrive à lever. Bon, ça a un peu bougé le trépied, mais c'est pas grave. On va se débrouiller, hein. L'essentiel, c'est que je puisse le sortir. Ah bah voilà. Mais bon. Alors le carton par terre. Voilà. Et là. Voilà, il est dans l'emballage, hein, scellé, hein. Et vous pouvez voir que c'est le 256 gigas. Hein. Voilà. Alors je laisse le téléphone sur trépied pour le moment. Si j'ai besoin de l'enlever, je l'enlèverai plus tard. Alors, on va le sortir de la boîte. Là. Voilà. Ensuite. Maintenant. Je la soulève, ça va au niveau de la prise d'air, ça va cette fois-ci. Oh, là, vous avez vu ça? Regardez. Est-ce que je fasse attention, hein, qui tombe pas. D'ailleurs, pour le prendre, c'est jamais évident, hein, il faut quand même que je retourne légèrement. Voilà, là il est. Alors, je vais prendre la boîte du 11 Pro Max, hein, pour le poser dessus. Voilà. Alors maintenant, on va regarder les accessoires. Bon, ça, on sait ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a les deux stickers. La notice. Ensuite, le chargeur 18 watts. USB-C vers Lightning. Voilà. Les AirPods et le câble, hein, USB-C vers Lightning. En fait, je vais ouvrir, je vais le déplacer, le téléphone. Voilà, on va faire ça comme ça. Je le mets ici, délicatement, parce qu'il n'est pas protégé. Et maintenant, j'ouvre la boîte du 11 Pro Max, et puis vous verrez qu'il y a exactement les mêmes accessoires. Voilà, vous avez vu? Il y a uniquement les iPhone 11 qui ont un chargeur standard de 5 watts, mais qui acceptent le 18 watts. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, vous trouverez les vidéos. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est au moins faire un premier démarrage. Hein. On enlève le papier. Maintenant, on fait d'abord le tour du téléphone, hein. Marche arrêt. Ensuite, le tiroir nano SIM. Là en bas, le haut-parleur et micro. Et sur ce côté, le bouton plus et moins pour le volume, ainsi que le petit bouton pour silencieux ou son. En tout cas, il est magnifique, hein. Je vous le montre encore une fois, hein, c'est une belle couleur, c'est la nouvelle couleur pour cette année. Puisque vous trouverez en blanc et argent, en or, d'ailleurs ce que j'ai déjà, hein, celui qui filme. Et puis ensuite il y a vert de nuit, et puis le gris sidéral aussi. Alors maintenant, on va tenter de le mettre en route en restant pressé sur le bouton marche arrêt plusieurs secondes. Hein. Voilà, la paume apparaît, c'est la première mise en route. Bon, c'est un petit peu long. Là, on va voir apparaître les menus langues. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a le menu langue. Et j'ai la possibilité de mettre le logiciel soit en manuel, ou alors en version rapide avec l'appareil photo du iPhone 11 Pro Max qui filme et le nouveau, enfin le vert. Voilà. Alors sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir.